Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre guide rapide de Final Fantasy XIV. L'objectif aujourd'hui est de discuter du Warrior ou le Guerrier. On commence d'abord par avoir la classe du Maraudeur et quand que vous allez atteindre un certain niveau, vous allez pouvoir jouer un Guerrier. Le but du Guerrier est un autre tank et donc de s'assurer de garder l'agressivité des ennemis sur lui et non pas sur ses alliés. Par contre, à la différence du Paladin, il va s'assurer de se guérir avec ses attaques autant de groupe que de single target, fait que des cibles uniques. Et ses habilités vont permettre aussi de guérir certains de ses alliés, mais beaucoup faire du dégât intense et rapide afin de détruire sa cible et de faire finalement beaucoup de dégâts dessus. Et il va s'assurer par la même occasion de pouvoir charger sur les ennemis, attaquer à distance, mais utiliser sa hache afin de faire des dégâts extrêmes sur les ennemis. Et il peut aussi s'enrager afin de pouvoir faire des dégâts qui sont surprenants, mais aussi des animations qui sont vraiment cool à voir. Fait que si votre objectif est de faire un gros dégât, mais en étant tank à la fois, en vous assurant de garder les ennemis sur vous, eh bien le Warrior est pour vous. Alors sur ce, on se revoit pour la prochaine capsule où est-ce qu'on va probablement parler du Dark Knight. Alors on vous souhaite une magnifique soirée et on s'en parle bientôt. Bye bye tout le monde, à la prochaine.